Et bonjour à tous et bienvenue, c'est ici Urasmon. On se retrouve aujourd'hui sur du World of Warship et nous allons découvrir les navires français. Ouais, les navires français qui sont plutôt pas mal, hein, franchement, il n'y a pas à dire. Mais je suis un peu perplexe. La conception navale française m'échappe complètement. Vous allez voir, là j'ai pris un T6 français, j'ai accompli les missions, j'ai eu le T6 français. Bon, j'étais un peu déçu parce que Warship vous avait sorti des missions pour gagner des bateaux, donc des cuirassés français, et j'en ai eu aucun. Donc j'ai acheté des conteneurs pour pouvoir les débloquer. Donc j'ai eu jusqu'au T6, j'ai eu le T5 et le T6. Donc le T6, le Normandie, donc c'est 3 tourelles quadruples. Mais vous allez voir comment ils sont disposés. Ça fait un peu peur. Mais bon, on va faire avec, on va essayer de découvrir ça. Donc ce sera une vidéo, une bataille. Hein. Voilà. Donc je tombe contre du T7. Défense anti-aérienne quasiment inexistante. De l'artillerie assez puissante, hein, c'est la tourelle quadruple. Mais faut que ça touche. Faut que ça touche, hein, ce qui est moins sûr. Donc je vous mettrai dans le lien de la description. Si j'arrive à retrouver sur internet. La caractéristique du navire. Alors voilà, le cuirassé français. 3 tourelles quadruples. Voilà. C'est ça, c'est tout moche. Enfin, conception navale française à l'époque. C'est pas terrible. Hein. Point positif, je trouve qu'il tourne vachement bien. Ça manque de patates. Les canons manquent réellement de patates en fait. Quand ça touche, mais des fois avec un seul obus on peut faire que 920 de dégâts. Ce qui est vraiment pas terrible. Ouais. Et ils sont assez fragiles aussi, je vais le préciser. Ils sont assez fragiles. Ils vont se prendre des salves, ça va. Tu vas le ressentir les salves. Alors. Donc en face nous avons du Lion. Donc ça c'est un autre navire français, je crois, le Lion, parce qu'il y a le Lion L-I-O-N anglais et le Lion L-Y-O-N. Français. Et donc j'ai mon supérieur en face. Alors le Lion, qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au Normandie? C'est une tourelle quadruple en plus à l'arrière. C'est 4 tourelles quadruples. Donc ça s'arrête là. Hein. C'est pas folichon. Par contre, ils tirent super loin. Les Français tirent à 19.8 en amélioré. Ce qui est super, franchement, ça tire hyper loin, quoi. Donc, c'est des snipers. Ah, le klaxon français. Ça, c'est le fuseau cuirassé japonais. Donc, comme là, le Bayern est à portée de mes canons. Ah, bah, lui aussi. Ah, j'ai touché une fois à 3000. Voilà, hein, sur 9 obus. Pas 12 obus, bah. Wow, c'est pas passé loin. Sur 9 obus, bah, il y en a pas beaucoup qui ont touché. Il y en a qu'un qui a touché sur 12 obus. Il faut l'abattre là, le Fidji, c'est. Regardez ça. Voilà. Vas-y, ça peut tomber. Toucher. Oh, toucher. Voilà, toucher encore une seule fois. Une seule fois. Deux brisés, un ricochet. RIP, je suis désespéré.
Alors si le fuseau commence à me tirer dessus, ça va pas être la même danse. Hein. J'ai pu tirer par au-dessus à mon avis. Parfait. Un brisé, un touché, deux brisés. Pouh. Alors la galissonnière qui est face à un Fidjier, normalement elle pourrait gagner. Mais il y a d'autres navires contre. Il y a d'autres navires contre elle. Ouais, un Nuremberg. Un Nuremberg. Ah, j'ai plus les consoles premium. Faudra que je les remette. Ah, il y avait un seul DD en face. Ils l'ont perdu. Là, il y a une smoke, hein, là on voit pas du tout ce qui se passe. Je suis repéré par un avion. Eh, regardez là, regardez là, regardez. Il est là. Ouais, t'as un contre un croiseur, quoi. Aïe, 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 aïe. J'ai pas de chasseur en plus. J'aurais dû tourner dans l'autre sens. J'ai pas de défense anti-aérienne, c'est. C'est relou. Notre équipe a pris l'avantage. C'est parfait alors. C'est parfait. Ah, il m'a remis un feu derrière. Ah, sur peine. Ouh, citadelle détruit. Bah ça, c'était joli par contre. Ça c'était joli quand même. Ouais, pas me lancer des fleurs, mais ça c'était plutôt mal. Ah, y a un Algérie là-bas. À 4 sur peine par contre, vous avez vu, hein. C'est soit tu surpeines ou soit tu touches. Alors il faut vraiment que je me répare, hein. Il me reste 13 000 HP là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et notre porte-avions, je sais pas ce qu'il fait. Il n'y a pas d'escadrille de notre porte-avions en l'air, c'est quoi cette blague? Il est où notre porte-avions? Ouais, je veux bien, hein, mais il est où notre porte-avions? Parce que bon, on aurait peut-être besoin d'un porte-avions. Hein. Ouais, je vais pouvoir lancer une régène. Ah, regardez, je le repère pas, moi, mais lui, il me repère. Voilà, ça y est, je l'ai repéré. Ah, j'ai trop anticipé son move. Allez, tourne ton gros cul! Alors, heureusement qu'ils sont plutôt maniables. Voilà, l'Algérie qui fuit, hein, il prend ses jambes à son cou là. Je pense qu'elle va me toucher là. Là, il va me toucher. Même pas.
Oh, j'ai abattu un avion. Oh. Ah ben. Ils ont préféré viser le fuseau. C'est un très bon choix, hein. Moi, je m'en plains pas. Ah, regardez. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'il y a là. Le porte-avions est là. On va essayer de le déboîter là. Deux sur peine sur un CV. Oui, je l'avais pas vu lui. Ouais, je l'avais pas vu. Je prends beaucoup de risques parce que là je suis bien broadside à l'adversaire. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là là, j'arrive pas à le toucher le kirof. Bon, je l'ai eu. Bon, il y a un allié qui m'a aidé. Heureusement qu'il était là. Bon, 34 000 de dégâts, franchement, c'est moyen, mais c'est une victoire quand même. Voilà. Ce qui comptait là, j'ai tenu cette position. Je les ai un peu emmerdés. Ils avaient réussi à la capturer, mais j'ai quand même réussi à bien les emmerder pour qu'ils viennent pas trop nous faire chier. Voilà, le Queen, il s'est pris une salve assez sévère. Bon, 34 000 obus pour 24 tirs, ça va, c'est plutôt raisonnable. J'étais plutôt dans le tank. Quand on regarde l'état de mon navire. Et ce qui est marrant en fait là, c'est que t'as des canons secondaires à l'avant en fait du navire. Donc ça montre que c'est quand même un navire qui se joue vraiment de face en fait. Je suis repéré par un avion. Par cet avion-là précisément. Oui, je l'ai volé. Oui, je l'ai volé. Fallait être plus rapide, hein, je suis désolé. C'est pas bien de voler les kills des gens. C'est pas bien du tout. Voilà, on va détruire le CV et ça sera bon. Voilà. Et c'est une victoire pour cette vidéo. Ouh, c'était chaud quand même, hein, c'était chaud. Donc là, on est en train de remplir des missions petit à petit. Des missions petit à petit. On va récupérer un conteneur, comme ça on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un conteneur normal, pas de super conteneur, ça fait longtemps que j'en ai pas eu un. Donc les super conteneurs contiennent soit des bateaux, des emplacements de port, des doublons. Voilà, plein de petites choses fort agréables qui est toujours agréable d'avoir. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce noir. Dans les deux cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire pourquoi vous avez pas aimé, pourquoi vous avez aimé. En tout cas, sur ce, vous pouvez aller voir dans la description. Il y a le lien du Discord de Planète Total War. Oui, parce que non, c'est passé sur le Discord de Planète Total War et non sur mon Discord à moi. Donc, ça sera le Discord officiel de Planète Total War. N'hésitez pas à aller faire un tour. Nous recherchons des modérateurs, des streamers,
des responsables internet pour gérer certaines pages. Donc voilà, n'hésitez pas. Et dans la description aussi, je vous mettre le petit descriptif de ce navire. Sur ce, c'était Fureur 59, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye!